Salut les amis, aujourd'hui petit tour tout seul, on part de la maison tranquillement par la route, on va rejoindre les collines et on va essayer d'aller voir un petit peu la mer, de se dégourdir les jambes et de faire de belles descentes. Allez, à tout de suite en vidéo. Allez, c'est parti. Première longue ascension qui nous amènera sur la première vue mer. Voilà, tranquillou, tranquillou bilou. Allez, 300 mètres de D+, plus loin, on se retrouve là avec le premier point de vue. On est plus loin de la mer que la dernière fois, mais ça reste tout aussi magnifique. Bon, je me sentais en forme, je comptais faire un beau tour, mais c'est pas le cas. Je pense qu'on va faire un tout petit tour. Allez, voilà, on monte encore un petit peu. On est à 500 mètres de dénivelé pour une douzaine de bornes. On va aller chercher la première vraie descente de cette sortie. Allez, c'est parti. Allez, là. C'est bon. Ils ont tout fracassé. Alors là, pour retrouver le chemin, ça va être compliqué. Bon, j'ai retrouvé le sentier. Ils ont agrandi la déchetterie, ils ont tout chapelé. Ah, con, c'est gelé de merde, je m'ai fait un plein de conches. Encore ça va. Je dois abîmer juste la liaison entre les deux descentes, soit l'autre et celle-là. Bon, on s'est régalé sur la première petite descente. Malheureusement, maintenant, faut remonter, on n'a pas le choix. Alors, on se retrouve en haut. Pour ceux qui connaissent, on est en train de faire l'ascension de la piste des crapauds à Pierrefeu. Je peux vous dire que celle-là, elle picouille un peu. Encore un petit point de vue. Bon, ben, je comptais récupérer cette descente un petit peu plus loin, celle-là elle est géniale aussi. Mais le mal de dos m'a rattrapé et je vais couper, je prends un médicament et je vais rentrer tranquillou. Voilà, je n'en peux plus. Parti pour une petite ascension tranquillou. On y va tranquille sur les pédales. Pas se faire mal, plus que ce que c'est déjà. Moi je suis un peu déçu parce que je voulais vous montrer un super point de vue là-haut, ça sera pour la prochaine fois.
On va quand même essayer de se faire le single à flanc de coteau, histoire de ne pas vous laisser sur votre faim dans la vidéo. Et là, le petit single. Je sais au fond de moi que c'est une mauvaise idée, mais on se le prend quand même. J'ai encore envie d'une petite descente en single. Et là, il est bien sympa. Allez, ça c'est fait, première partie, super. Allez, on va bientôt sortir de ce petit single en sous-bois. Avec une belle petite descente dedans, il y avait, c'est bien régalé. On va rejoindre une petite DFCI qui va nous ramener au premier point de vue qu'on a eu. Une longue ascension et après, ben, petite descente sur DFCI par où on est monté pour atteindre ce point de vue et la sortie sera terminée. Elle est toujours aussi géniale, je l'adore. Je sais pas si vous voyez. Elle est là en face, il va falloir se remonter tout ça. Bon ben voilà, on est revenu au point de départ. Finalement c'était pas une si petite sortie que ça, 30 bornes, pratiquement 900 mètres de dénivelé. Même si j'ai pas pu aller chercher la descente, faire le petit tour que je voulais en plus, on a quand même fait deux belles petites descentes. Donc une bonne petite sortie malgré le mal de dos qui fait un peu taffer quand même. Bon ben je souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui y sont et j'espère que vous avez vos VTT pour vous éclater. N'hésitez pas à nous faire partager ça sur le groupe VTT Attitude. Et pour les autres comme moi qui travaillent, eh ben, on continue les sorties à côté de la maison pour se remonter un petit peu le moral. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.